Denilson qui frappe le sixième corner de la deuxième mi-temps pour les Brésiliens. Pied gauche toujours. Et ballon écarté. Dugarry qui était venu à gauche, 16m50. À gauche, ils ne reviennent pas les Brésiliens. Allez, à gauche. Emmanuel Petit. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Petit. Et but. Et troisième et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16m50 qui a appelé ce ballon. Et il ne revenait pas, les Brésiliens. Il vient crucifier l'équipe du Brésil. 3-0. Là, je crois que c'est Rapado pour nos amis brésiliens. Rapado, Rapado. Ah oui. Oui, parce qu'il ne reste plus rien. Et qui on plus en est à 47-40. À 10 contre 11. Les Français sont allés marquer ce but. Superbe ballon de Patrick Vieira. Et là, Emmanuel Petit, avec beaucoup de lucidité, est allé mettre ce ballon dans le petit filet opposé. Son deuxième but en équipe de France et son deuxième but en Coupe du Monde. C'est fini, Thierry. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane. Un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh, putain! Oh là 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 là! Oh! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! On va laisser parler les images, Thierry, parce que je crois que... Oh là là, Barthès! Oh là là. Ah oui, et oui, on ne pensait pas le rêver dans notre plus beau rêve. Et bien voilà, ça s'est fait. Et puis pour vous, Thierry, c'est quand même pas mal, non? Ah, c'est bien, oui. Oui, pas pour vous, pour les autres aussi. Oui, mais... en fait, c'est bien pour tout le monde. Oui. Mais enfin, surtout pour moi. Ah, c'est super. Moi, j'y croyais bien, mais franchement, 3-0, mais ouais. C'est bien. On se serait contenté d'un petit zéro. Oui, même à la 89e. Hein. Oui. Et là, le but est venu à la 89e, mais en fait, il était le troisième. C'est magnifique, bravo. Bravo à tous, à tous les joueurs, à Aimé Jacquet. Et à souligner, Thierry, que c'est la première fois dans une vraie finale que le Brésil est battu. Que le Brésil est battu, ouais. Puisque le match contre l'Uruguay en 1950 au Maracana était en fait un match de poule. Un match de poule, exact. Qui était certes décisif, mais qui n'était pas une finale. L'équipe de France est championne du monde, il faut se pincer pour y croire. Oui, mais c'est comme ça. Mais on va passer une petite page de pub, Thierry. On va se remettre de nos émotions et on va revenir, bien sûr. Bien sûr, on va revenir. Et on va rester longtemps au Stade de France ce soir. Alors, vous restez avec nous. Et c'est la danse. C'est la danse orchestrée par Thierry Henry. Alors que Dugarry est en larmes. Tous les joueurs vont recevoir leur médaille et ça n'est qu'une fois que tous les Français auront reçu et tout le staff d'encadrement auront reçu leur médaille d'or, une somptueuse médaille. Et c'est extraordinaire, le stade est resté quasiment plein. Il n'y a pas un Brésilien qui a quitté le stade. Quelle belle attitude sportive de ces gens qui sont venus du Brésil, qui viennent de passer un mois et demi en France. Je parle du public, de la vingtaine de mille jaunes qui sont dans le stade. Pas un n'a quitté le stade, les Français non plus. Et grande politesse des Brésiliens, évidemment, grande joie des Français. Oui. Oh, on est les champions.